Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rico Wap. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où c'est que je vais vous présenter deux recettes. Alors, la première recette, ça sera, parce que j'ai mes deux, ça sera de la banane avec du melon. Alors la banane, je vais mettre 25 gouttes et du melon, je vais mettre 15 gouttes. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez les gants. Alors, on va commencer par la banane. La banane, 25 gouttes, c'est parti. Douze, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Voilà. Et ensuite, le melon. 15 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15. Ce que je vais faire, je vais remplir en même temps. Donc, bien sûr, hein, toujours les produits de Bleu Concept, comme d'habitude. Et le deuxième qui me paraissait très sympa, c'est du cookie avec du chocolat. Donc, le cookie, je vais mettre 25 gouttes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Très très bon cookie. Et nous allons mettre 20 gouttes de chocolat. Allez, c'est parti. Ça sent bon. Allez, c'est parti, c'est parti. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, mes deux arômes ont été mélangés. Donc, banane melon, je vous rappelle. Vous avez 25 gouttes et 15 gouttes. Et puis, donc, le cookie, 25 gouttes et 20 gouttes. Voilà. Donc, maintenant, nous allons les mélanger. Donc, toujours avec du 50-50 en VGPG. VGM, VPG, excusez-moi. VG Bio Concept, hein. Alors, on le remplit. Hop là. Voilà. Et le second. Regardez, ça, c'est la banane melon. C'est. Pouh, ça sent bien bon, 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 bon. C'est deux recettes que je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que elle ne devrait pas être trop, trop mauvaise. Le cookie chocolat, vraiment bien, hein, ça a l'air d'être. Ça c'est le melon. Ça c'est le chocolat. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. On va les remuer un petit peu. Bon petit coup de remuage. Ah, moi ouais, les petits poissons. C'est vrai qu'avec ces nouveaux produits, on les voit beaucoup moins. Là, banane melon, je me lasse pas de le sentir parce que ça sent vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Allez, voilà, regardez. C'est vraiment superbe, superbe. Voilà. Donc, ces deux recettes, ce que je vais faire, c'est que je vais les poster sur mon Facebook. Donc, si vous voulez aller les recopier, il n'y a pas de problème. Et puis, vous verrez, j'ai surtout Daniel. Daniel qui m'a posté pas mal de recettes, que certaines, j'ai pas mal, j'en ai essayé pas mal aussi, qui sont pas mal du tout. Il y en a une que je vous recommande, qui m'avait donné, c'est la pêche chlorophylle et l'abricot. Alors, je vais vous rappeler, là j'ai les nombres de gouttes, 22 gouttes de pêche, 20 gouttes de chewing-gum chlorophylle et 20 gouttes d'abricot.
vraiment bien celle-là hein, de Daniel. Et tant que j'y suis, eh ben, je vais faire un petit coucou donc à Louise Du. Hein, Louise Du, donc c'est Daniel. Si vous voulez aller visiter sa chaîne. Donc là, nous sommes 144 abonnés. Je vous remercie à tous d'être abonnés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, on va donner un petit coup de vape pour fêter ça. Voilà. Hein. Attendez. Si je ne vais pas sur la bonne page, mes abonnés. Voilà. Donc, Louise Du. Alors, Louise Du. Voilà, il est là. Moi, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Il a 654 abonnés. Si vous aimez les Sims. Ah, sur les Sims, vous avez quoi faire. Il en a fait énormément. D'ailleurs, c'est tout sur les Sims. Donc, si vous aimez les Sims, allez voir Luis du 10. C'est une chaîne simulation et gestion. Voilà. Eh bien, lui aussi, je le remercie beaucoup d'être abonné à ma chaîne, pratiquement depuis le début. Ça fait plaisir. Puis voilà, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas fait. Ça me ferait plaisir. Et puis partagez au maximum. Au maximum, au maximum. Donc, si vous voulez rendre des renseignements, je fais très souvent des lives. Je pense que j'en ferai un ce soir. Ça, c'est du mojito de bio concept. Vraiment bien. Y a rien à dire. C'est super, comme d'habitude. Voilà, donc je crois que j'ai plus rien à vous dire. Je vous ai tout dit. Sur ce, passez une excellente journée. Je pense que ce soir, je ferai un live à 19h, entre 19h30 et 20h. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis... C'était Ricoap. On se retrouve pour des prochaines vidéos.